Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc comme j'avais dit dans la fois dernière, donc la dernière vidéo, que j'allais préparer une série de tutos et dans les commentaires vous m'avez dit tuto. Et donc là j'ai pris un commentaire, il s'agit du commentaire de Somatix qui m'a demandé comment faire des toilettes réalistes. Du coup j'ai transformé ça un peu en comment faire des toilettes et je vais vous montrer comment le faire. Mais avant ça, voici l'intro. Donc pour faire ces toilettes, pour l'instant on va commencer vraiment, j'en ai fait plusieurs. Donc on va commencer par le début, je pense, qui est assez réaliste, mais c'est le plus simple. Donc vous allez avoir besoin tout simplement d'un bloc de quartz, des plaques de pression, ça c'est pour faire plutôt la cuvette. Donc vous mettez bloc que vous voulez, mais je pense j'ai mis les deux meilleurs, donc les plaques de détection lourdes, donc blanches, et plaques de pierre polie noire. Et un bouton, et un bouton, là, vous mettez ce que vous voulez, mais j'ai mis, je pense, les meilleurs. En bois aussi, ça peut le faire. Et ensuite, le quartz, ce qui sera la toilette. Mais là, vous mettez le bloc que vous voulez selon votre décor. Et comme l'asthmatique m'a demandé réaliste, je trouve que c'est plus réaliste. Du coup, là, je vous montre. Vous allez faire comme moi. Attends, je vais éloigner un peu. Alors, vous allez faire comme moi. 1, 2. En bas et un en haut, une plaque de pression ici ou alors celle-là, comme vous voulez, et un bouton ici, ou alors vous pouvez vraiment très bien mettre, si vous préférez, vous trouvez ça plus stylé, un bouton ici. Vous voyez? Après, ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre une bannière comme ça fait comme si la cuvette était élevée un peu, donc il y a comme ça. Et après, là, je vais vous montrer vraiment comment faire celui-là, je trouve. C'est déjà un peu mieux. Donc, vous prenez aussi encore un bloc, un escalier. Vous avez besoin du coup d'escalier, de bannière blanche, d'un bouton du coup. Et attendez 2 secondes, il me manque des choses moi aussi. Vous avez besoin de aussi de porte-armure. Donc, vous n'avez plus besoin des plaques de pression, vous avez besoin de porte-armure. Un casque, donc en diamant pour faire l'eau. Bouton, vous avez toujours besoin. Bloc. Ah, vous avez besoin aussi du bloc de redstone et de piston. Et après, je pense que c'est tout. Bon, on verra. Donc, première étape, prenez un bloc de quartz. Vous posez comme moi ceci et à côté, vous regardez bien au-dessus. Et vous mettez pour en sorte que le bloc, vous voyez, il soit comme ça. L'escalier, ben, je l'ai mis un peu près. Je l'ai pas mis assez droit. Bon. Alors vous mettez, voilà, comme moi. Attends, je le refais parce que j'avais mal fait. Ensuite, derrière, vous regardez le haut et vous prenez encore l'escalier et vous le positionnez pour qu'il soit comme l'autre, du coup. Une fois qu'il est comme ça, vous prenez encore un bloc de corde, vous mettez au-dessus. Et un bouton. Et après, ensuite, il va falloir mettre. Non, j'ai oublié. Vous faites plutôt ça, comme moi. Donc un bloc comme ça, un bloc comme ça. Ensuite, vous creusez. Vous posez votre. Non. Vous creusez que de 1 plutôt. Vous posez votre porte-armure pour qu'il soit droit. Un casque au-dessus. Ensuite, vous reposez à côté un bloc de quartz, un escalier. Ensuite, vous vous mettez comme ça sur le côté. Vous regardez ici, vous posez le piston. Et vous posez un bloc de redstone ou quelque chose pour activer le piston, vous voyez. Ensuite, une fois là, il est actif, vous pouvez le casser, le bloc de quartz à côté ici. Donc là, vous avez, on a le début, mais là, on voit le porte-armure. Je trouve que ça fait vraiment pas très beau. Du coup, il faut mettre plutôt par rapport à votre sol. Du coup, ben, c'est assez simple, vous mettez votre bloc, donc là c'est la terre, vous mettez ce que vous voulez, mais d'abord vous mettez la piston comme ça, ensuite vous mettez votre sol, mince. Vous mettez votre sol, et ensuite vous mettez le bloc pour actionner la piston. Et là, vous voyez, il rentre dedans, on voit pas qu'il y a
le porte-armure. Une fois qu'il y a ça, une fois qu'on voit pas là le porte-armure, ça fait des vraies toilettes, je trouve assez stylé. Imaginez, il y a un mur ici et tout ça. Je trouve ça fait assez stylé. Le bouton, n'oubliez pas, vous pouvez le poser où vous voulez. Et vous pouvez rajouter, regardez la bannière blanche, pour faire là la cuvette ouverte. Et du coup, on voit l'eau, ça fait plus réaliste. Alors que là, vous voyez, elle est fermée. Là, elle est ouverte. Et là, c'est comme si la cuvette, elle était ouverte. Et ensuite, je vous ai rajouté un petit truc pour vous montrer. Un peu plus déco que là, quand vous mettez, ça fait des vraies toilettes. Vous voyez, là, j'ai fait le truc, vous avez mis la bannière. J'ai pas mis avec le comme s'il y avait l'eau. Je préfère quand c'est comme ça, vraiment. Vous voyez, donc là, il y a pour moi le bouton, il est mis en haut, mais vous pouvez le mettre à côté. Le papier toilette. Là, je me lave les mains, j'essuie avec la serviette. La barre de Lender, ça vous sert pour nettoyer, là, je pense, vous savez, un peu de décoration. Et même du coup, là, je vais vous montrer à peu près comment on fait tout ça. C'est simplement, ben, vous créez votre salle. Donc, vous prenez la taille que vous voulez. Mince, là, c'est un trop. Vous prenez la hauteur aussi que vous voulez. Donc, 3, vraiment, c'est pour si vous faites un toit après, vous verrez. Vous pouvez sauter. Largeur aussi que vous voulez. Regardez, voilà, vous faites comme moi. Bon, cette fois-ci, je vais le faire un peu en entier, vraiment, avec la porte et tout, je vais vous montrer. Donc là, regardez. Là, on est enfermé. Donc ici, là, je vais avoir la porte. Donc déjà, je vais supprimer tout ce que j'ai dans mon inventaire. Pour bien vous montrer, je prendrai les blocs en même temps que vous. Et comme ça, je vais bien vous montrer. Bah, début. Donc, premier truc, on a besoin escalier en quartz, du coup. Ou ce que vous voulez, c'est donc comme tout à l'heure les toilettes. On a besoin de mur, du coup, en quartz, parce que ça va avec l'escalier, mais vous prenez le mur qui va avec votre escalier. Vous avez besoin de boutons. Donc, moi, je prends le noir, celui que je préfère. Ensuite, vous avez besoin de bannière. Après, vous avez besoin, du coup, là, il y a déjà barre de Lender aussi. Vous avez besoin de la laine rose. Ensuite, vous avez besoin de cadre. Si je me trompe pas, normalement, c'est ça, oui. Cadre. Vous avez besoin de peinture aussi. Merci, j'ai mal écrit. Pourquoi je la trouve pas? Je sais plus écrire moi. Non, c'est pas dans nature, c'est dans tout. Alors, donc peinture EIPE. Ensuite, vous avez besoin. Ah, vous avez besoin peinture, tableau. Vous avez besoin d'un seau d'eau, un chaudron et d'un crochet. Après, donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait. Et j'ai oublié la porte. Et du coup, d'une porte. Donc moi je trouve les portes vraiment qui vont bien avec les toilettes. Enfin, c'est pas une porte spéciale, franchement, c'est les portes en chêne noir, c'est des portes plus de maison. Donc vous prenez votre porte, vous la placez, voilà. Ensuite, j'ai oublié de faire le toit, mais c'est pas grave. Ensuite, bon, je fais pas le toit, mais vous voyez, vous prenez encore un et vous faites le toit. Alors, donc là, on va faire dès le début, on va faire les toilettes. Mince. Donc, comme je vous montre tout à l'heure, posez le bloc à côté, vous visez bien le haut pour qu'elle se mette comme ça. Ensuite, faut que vous cassez derrière. Donc, au début, mettez pas vos vrais murs derrière ou si vous êtes en survie surtout, parce que vous allez peut-être plus avoir du mal. Ensuite, vous mettez comme ça, c'est bon. Vous
vous rebouchez. Une fois que c'est comme ça là, vous mettez ça, vous mettez votre bloc de quartz au-dessus, vous mettez votre bouton soit au-dessus ou soit sur le côté. Vous mettez votre ça et pour faire le papier toilette, vous mettez un cadre et une la laine rose dedans, donc ça fait comme ça. Le bar de lender, vous mettez plus ici ou au fond. Vous mettez barrière blanche comme l'autre, comme les toilettes là-bas ici. Ensuite, la porte, on a, c'est bon. Ah, le tableau. Donc, soit là, j'ai un grand mur, en vrai, je pourrais faire un grand tableau. Ou alors, vous pouvez faire des plus petits tableaux. Moi, je vais faire un grand tableau, en vrai, c'est plus stylé. Comme j'ai de la place. Non, c'est... Bon, voilà. Là, j'ai mes tableaux. Le sol, n'oubliez pas de le remplir comment vous voulez qu'il soit. Et je pense que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié par rapport aux autres? Ah oui, j'ai oublié donc le chaudron avec la serviette. Alors, le chaudron. Alors, pour faire le chaudron. Et du coup, j'ai enlevé ça à la place. Donc, vous posez soit le chaudron, c'est pour faire... le robinet, ici l'eau, où vous pouvez mettre un entonnoir, mais vous ne pourrez pas mettre d'eau dedans. Ensuite, et vous prenez la barrière comme ça pour faire une serviette, tout simplement. Et après, c'est tout. Vous pouvez rajouter des serviettes. Enfin, ah oui, si vous mettez les bannières plus vers le sol, là, ça fait plus une serviette vers le bas, mais c'est comme ça, je pense. C'est mieux. Après, vous mettez un toit, quoi, si c'est votre salle. Enfin, vous savez, et c'est bon. Je pense que on a tout là. Vous voyez, là c'est fini. On a le tout. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En commentaire, dites-moi d'autres tutos. Et c'était abonnez-vous. Mettez la cloche de notification. C'était Fantasy 2.0.